Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre et nous fêtons Saint-François d'Assise. À l'école de Saint-François, le petit pauvre d'Assise, je demande la grâce de voir le visage de Dieu en toutes ses créatures. Je demande que s'ouvre pour moi, à travers le plus petit d'entre mes frères, une fenêtre sur l'amour infini du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allaient, le laissant à moitié mort. Bakaja, après, descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva après de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pencha ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te rendrai quand je repasserai. Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Dans un premier temps, je contemple cet étrange échange entre un docteur de la loi et Jésus. Je suppère et laisse résonner en moi tout ce que entraîne ce condensé de toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Demande le docteur de la loi. Jésus lui fait comprendre que le prochain peut être un homme dont il n'attend rien, comme le Samaritain.
J'entre dans la stupeur de ce docteur qui se voit appelé à aimer Dieu dans un hérétique, un homme éloigné de son image de Dieu. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Je me laisse habiter par la débordement de reconnaissance qu'éprouve l'homme de la parole pour cet inconnu qui s'est fait son prochain. J'écoute à nouveau faire l'invitation de l'Écriture à aimer le prochain, en me laissant rejoindre de toutes parts par la tendresse infinie du Père. Le secours de Dieu peut pendre des visages inattendus. Je laisse un instant défiler tous ces visages dont je n'attends rien, tous ces prochains, ces Samaritains de mon quotidien, dont Dieu se sert à mon insu pour me faire don de sa grâce. Je lui parle comme un ami et je le remercie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je remette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Amen.